Ils les ont transformés. Appuyez sur R pour lancer une grenade, attendez qu'elle explose ou appuyez à nouveau sur R pour déclencher la détonation. Ok, il est où? Ah oui, ça marche pas très bien. Il est où? Il est où, Kaiden? Ça va, gros? Eden Prime ne pourra jamais se relever. Mais si. Mais si, mais si. Sois pas défaitiste. Cette porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. D'abord, je loot. Ensuite, on discute. Et bah, y avait pas deux trucs à looter? Ok, tant pis. Quoi? Je sais plus ce que c'est. Ah d'accord. Ok, je me rappelle. Mais attends, j'y étais là! Ok, je recommence. Ouais. Du coup. Des humains. Loué soit le créateur. T'étais verrouillé derrière une porte, mais t'avais la fenêtre ouverte, quoi. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles? Vous savez ce qui est arrivé à la balise? Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Que savez-vous de plus sur l'attaque? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement, et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'Apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici trop effrayés pour sortir, jusqu'à votre arrivée. Savez-vous quelque chose à propos de la balise? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses, des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Manuel, s'il te plaît, pas maintenant. Avez-vous vu un Turien dans les parages? Je l'ai vu, le prophète, à la tête de l'ennemi. Il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nihlus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. C'est pas je lui. Je suis désolé, Manuel est encore un peu déboussolé. Non, nous n'avons pas vu votre Turien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Ouais, enfin quand même. Est-ce folie que de connaître l'avenir? De voir la grande destruction fondre sur nous? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois sain d'esprit. Mon précieux. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Faites beau rêve, Manuel. Nul ne peut faire taire la vérité. Ma voix doit s'élever dans les... Ah, mais je voulais pas du tout faire ça! Qu'avez-vous fait? Ah bah, je sais pas. Radical. Je suis désolée. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah! Non! Je voulais pas faire ça! Bon.
bon, bah tant pis, alors. Une petite bosse, rien de grave. Il ira mieux au réveil. Oui, vous avez peut-être raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait leur effet. C'est pas ce que je voulais faire, je suis désolée. Williams, emmenez-nous au spatioport. Bonne chance, commandant. Je lui ai mis une droite au salaud, tranquille. Je suis désolée, madame. Hein. Je peux pas... Non, y a rien à looter dans cette pièce. Ok. Poussez-vous. Kaidan, t'as quand même plus beaucoup de vie. Celui-là, je l'ai pas looté, mais... Ça me perturbe, cette histoire. Je lui ai mis un de ses bobos. Sa reine. Je suis le traître. Nilus. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en mission. Je suis le traître, c'est marqué sur mon visage. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Non! Tu tues... Non, tue pas mon pote! Qu'est-ce que c'est là-bas au loin? Un vaisseau. Non, mais vous avez vu la taille. Quoi? Attends, on verra ça plus tard, Coco. T'es mignon, là, on est en pleine action. Mais ça crève un jour ces trucs là. C'est tout, il n'y avait pas d'autres ennemis. Ok. J'ai pas fait exprès de lui mettre une patate. Ça définit pas mon jeu. Commandant, c'est Nilus. Nilus. Nilus, t'es vivant. Il y a quelque chose qui bouge, là, derrière ces caisses. Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Comment ça? Quel autre? Il y avait deux Turiens. Votre ami et un autre qui l'a appelé sa reine. Ils avaient l'air de se connaître. Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Vous pourrez pas s'occuper de mon pote au sol, là dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. Ouais, d'accord. On nous a informé qu'une balise protéenne se trouvait dans le spatioport. Où est-elle? La pose dramatique, quoi. Sur l'autre plateforme. Je parie que ce type, là, ce Saren, c'est là qu'il allait. Il a sauté sur le train de marchandises après avoir refroidi votre ami. Je savais que cette balise attirait les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord, cette saloperie de vaisseau-mère apparaît, et ensuite, cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais clamsé aussi. Parlez-moi de l'attaque des guettes. Ça a été foudroyant. On avait à peine aperçu le vaisseau qu'on était déjà envahi. Des milliers de guettes, partout! Ils devaient se trouver dans le vaisseau.
et il tirait sur tout ce qui bougeait. Un vrai carnage. Toi, t'es un gros lâche. Parlez-moi de ce vaisseau-mère que vous avez vu. J'avais jamais vu un truc comme ça, c'était gigantesque. Il a atterri près de cette plateforme. Tout est devenu sombre quand il est descendu. Ça faisait un bruit indescriptible. Le genre qui vous passe le cerveau à la moulinette. C'est ça qui m'a réveillé. Et puis l'attaque a commencé juste après. Vous dormiez? Je croyais que vous travailliez ici, sur les docks. Oui, bon, ça m'arrive de faire une petite sieste, histoire de tenir le rythme, quoi. Je me cache derrière les caisses, là où le contremaître peut pas me voir. Ouais, t'es une grosse feignasse, doublée dans l'âge. Ok. Il a survécu par pure fainéantise? Si vous ne vous étiez pas esquivé pour faire cette sieste, vous seriez mort, comme les autres. Ouais, sans doute. J'ai pas trop envie d'y réfléchir. C'est vraiment une sous-merde. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est à lui que je voudrais mettre une patate, vous voyez. Lui, il aurait pris une patate, volontiers. Je peux pas rester là, il faut que je me casse d'ici. Ouais, c'est ça, barre-toi. Putain, mais on peut vraiment rien faire pour lui. Il est mort, quoi. Je savais bien qu'il y aurait un loot par là. Il dormait là, les mecs ils étaient juste à côté quoi. Qu'est-ce qu'il tire et où? Je vois les tirs mais je vois pas d'où ça arrive. D'en dessous là je crois. Flèche du bas? Suivez-moi, les gars. Parce qu'il paraît, je dois vous ordonner de me suivre, apparemment. Putain, mais il meurt pas, ce truc-là ? Kaidan, il va mourir, hein, de toute façon. Je sais pas trop comment je lui... Putain, mais... Ça lui fait rien? Attends. Attendez, revenez. Comment je lui ordonne? Ordonner à Kaidan. Ok, je veux bien, mais... Occupez-vous plutôt de nos ennemis! Ok, d'accord. Cool. Ok, d'un attaque. Déplacement. Tenir la position. Regroupement, d'accord. Surcharge. Projection. Ouais, ok. Ok. Le soin de base, c'est F. Ah mais c'est pas moi que je voulais soigner, c'est lui. Ok. Ok, le gros bourrin, quoi.
cette arme là que je veux. Pas celle-là. Celle-là. Oh putain. Je veux mon fusil d'assaut. Alors. Non. Il peut faire quoi lui? Projection d'ennemis, les objets à proximité sont violemment projetés vers l'arrière. D'accord. Ok, d'accord. Et elle, elle fait quoi? Une partie de vos boucliers, y compris sous le feu, permet de tirer de longues rafales précises au fusil d'assaut. D'accord. Kaidan, il est down. Il est down. Il est down où, ce con? D'accord. C'est fini ou il en reste un? Il en reste un. Je peux pas te soigner, mec. Est-ce que je peux soigner est-ce que je peux soigner mes compagnons? Le soin est pour toutes les squads. D'accord, ok. J'ai capté.